Je suis d'Ateliers Fora Frontiere, qui est une association de droit roumain, une association à but non lucratif, qui est spécialisée dans l'insertion par l'activité économique. Ici, nous cultivons en fait plus de 85 variétés de légumes dans un système d'agriculture biologique. Nous avons 4 hectares et 4000 m² de serres, de tunnels. Ce que nous voulons en fait faire, c'est aller droit vers le consommateur avec des valeurs fortes qui sont la protection de l'environnement, de la biodiversité, de la nourriture saine. Nous travaillons ici avec des personnes de la communauté locale de Choconard, mais aussi avec des personnes en grande difficulté qui sont orientées par nos partenaires institutionnels de Bucarest. Ateliers Fora Frontiere travaille à l'insertion professionnelle de personnes en difficulté et s'intéresse aussi à l'agriculture biologique qui est un outil pour elles d'insertion. Ces deux thèmes sont très cohérent avec la Fondation Air Liquide, qui est une des raisons pour laquelle nous soutenons l'association. Le contact entre l'association Ateliers Fora Frontiere et la Fondation Air Liquide se fait par le biais de parrains, qui sont des salariés d'Air Liquide en Roumanie. Ces deux personnes viennent très régulièrement à la ferme pour assurer le contact avec les personnes de l'association, s'assurer que les fonds Air Liquide sont utilisés aux fins qui étaient entendues et accompagner ce développement de ce partenariat. Le travail de la terre a cette qualité indéniable d'être très restructurant physiquement et psychologiquement. Quand on va mal dans son corps, quand on va mal dans sa tête, être confronté au cycle naturel du travail de la terre fait qu'à un moment donné, on est dans un endroit idéal pour pouvoir faire le travail sur soi-même, pour pouvoir s'en sortir. Hop, hop.